Donna. Antonio de Isunza. Et Don Juan de Gamboa. Gentilhomme de haute naissance, du même âge, sensé, spirituel et amis intimes, se trouvaient ensemble étudiants à Salamanque. Mais emportés par le sang bouillant de la jeunesse et, comme on dit, par le désir de voir le monde, ils résolurent de laisser là leurs études et de s'en aller en Flandre, parce qu'il leur semblait que l'exercice des armes, qui sied et convient à tous, sied mieux encore aux gens bien nés et d'illustre origine. Ils arrivèrent donc en Flandre quand la paix était rétablie, ou du moins qu'on négociait pour l'obtenir bientôt. Ils reçurent à Anvers des lettres de leurs parents qui leur mandaient le grand déplaisir qu'ils avaient éprouvé en apprenant l'abandon de leurs études. Et leur reprochaient aussi de ne pas les en avoir informés, pour qu'ils eussent pu les faire voyager avec les commodités qu'exigeait leur naissance. Les deux jeunes gens, voyant le chagrin qu'ils causaient à leurs parents, se décidèrent à retourner en Espagne, puisqu'il n'y avait rien à faire en Flandre. Mais avant de rentrer dans leur pays, ils voulurent voir les plus fameuses villes d'Italie, et quand ils les eurent toutes visitées, ils s'arrêtèrent à Bologne. Là, charmés des fortes études de cette insigne université, ils voulurent y terminer les leurs. Ils donnèrent avis de ce dessein à leurs parents, qui s'en réjouirent beaucoup, et témoignèrent leur approbation en les pourvoyant avec magnificence, afin qu'ils montrassent dans leur train de vie ce qu'ils étaient et de quels parents ils étaient nés. Dès le premier jour qu'ils parurent aux universités, ils furent unanimement reconnus pour gentilshommes, galants, spirituels et bien élevés. Don Antonio atteignait l'âge de 24 ans, et Don Juan n'en avait pas plus de 26. Ils ornaient encore cet âge heureux par leur bonne mine, par leur talent de musicien et de poète, par leur adresse et leur bravoure. Qualité qui les rendait aimables et les faisait chérir de tous ceux qui les fréquentaient. Ils eurent bientôt une foule d'amis, non seulement parmi les étudiants espagnols qui suivent en grand nombre les cours de cette université, mais parmi ceux de la ville et des autres nations. Ils se montraient avec tous pleins de libéralité et de courtoisie, et bien éloignés de cette arrogance qu'on a coutume de reprocher aux Espagnols. Comme ils étaient jeunes et de bonne humeur, ils ne leur déplaisaient pas d'avoir connaissance des beautés de la ville. Et bien qu'il y eût alors beaucoup de dames, filles ou mariées, en grande réputation de vertu et de beauté, l'une d'elles les surpassait toutes. C'était Cornelia Bentiboli, de l'antique et généreuse famille des Bentiboli, qui furent un temps seigneurs de Bologne. Cornelia, merveilleusement belle, se trouvait sous la garde et la protection de Lorenzo Bentiboli, son frère, respectable et vaillant gentilhomme. Ils étaient orphelins et de père et de mère, mais leurs parents, en les laissant seuls, les avaient laissés riches. Et la fortune est un grand soulagement à cette position. La retraite où vivait Cornelia était si profonde, et son frère mettait tant de sollicitude à la garder, que l'une ne se laissait voir, ni l'autre ne permettait qu'on la vît. La réputation de la beauté qu'avait Cornelia donnait grand désir aux deux amis de la voir, ne fût-ce qu'à l'église. Mais toute la peine qu'ils se donnèrent fut perdue, et leur désir s'en alla en diminuant par l'impossibilité qui détruit l'espérance. Ainsi donc, livrés à l'amour de leurs études,
et à quelques honnêtes amusements. Il passait une vie aussi gaie qu'exemplaire. Il sortait peu la nuit, et s'il sortait, c'était ensemble et bien armé. Or, il arriva que devant sortir un soir, Don Antonio dit à Don Juan, « Je veux rester encore ici pour réciter quelques oraisons. Mais partez, et je vous suivrai bientôt. »« C'est inutile, » répondit Don Juan. « Je vous attendrai, et si nous ne sortons pas cette nuit, qu'importe ?»« Non, pas votre vie. Allez prendre l'air, je vous rejoindrai bientôt. » Et si vous passez par où nous avions coutume de passer ensemble ? Allons, faites à votre goût. Si vous sortez, je ferai cette nuit les mêmes stations que les nuits précédentes. Don Juan sortit en effet, et Don Antonio resta. L'heure était avancée, et la nuit obscure. Lorsque Don Juan eut parcouru deux ou trois rues, se voyant seul et n'ayant personne à qui parler, il décida de retourner à la maison. En effet, il rebroussa chemin. Mais en passant dans une rue bordée de galeries en marbre, il entendit que d'une porte, on l'appelait tout bas du bout des lèvres. L'obscurité de la nuit et l'ombre que projetaient les galeries ne lui laissaient point voir d'où venait cet appel. Il s'arrêta, prêta toute son attention et fit s'entrouvrir une porte. Il s'en approcha et entendit qu'on lui disait à voix basse « Êtes-vous Fabio par hasard ?» Don Juan, sans trop savoir pourquoi, répondit oui. « Eh bien, prenez » reprit-on du dedans. « Mettez-le en sûreté et revenez vite, c'est important. » Don Juan étendit les bras, rencontra un paquet, et quand il voulut le prendre, vit qu'il fallait y mettre les deux mains. Dès qu'on l'eut laissé dans les siennes, on ferma la porte et se retrouva dans la rue, chargé, sans savoir de quoi. Mais presque aussitôt, un enfant nouveau-né se mit à vagir. Et Don Juan, au cri qu'il poussait, resta aussi embarrassé que surpris, sans savoir que faire, ni quel parti prendre dans une telle aventure. Car il lui semblait qu'à revenir frapper à la porte, c'était mettre en péril la mère de l'enfant, et à le laisser là, l'enfant lui-même. D'une part, s'il l'emportait chez lui, il n'y avait personne qui pût en prendre soin, et dans toute la ville, il ne connaissait pas davantage quelqu'un à qui le confier. Enfin, voyant qu'on lui avait dit de mettre l'enfant en sûreté et de revenir aussitôt, il se décida à le porter à la maison et à le laisser au pouvoir d'une gouvernante qui le servait, puis à revenir voir si son aide était nécessaire en quelque chose, car il s'était bien aperçu qu'on l'avait pris pour un autre et que c'était par erreur qu'on lui avait remis l'enfant. Finalement, il l'emporta chez lui et rentra lorsque Don Antonio venait de sortir. Arrivé dans son appartement, il appela la gouvernante, découvrit l'enfant et reconnut que c'était le plus beau qu'il eût jamais vu. Les langes dans lesquelles il était enveloppé témoignaient qu'il était né de parents riches, et la gouvernante, les ayant écartés, trouva que c'était un enfant mâle. « Il faut, » dit aussitôt Don Juan, « donner un tété à cette petite créature. Voici comment nous allons faire, vous, gouvernante, vous lui ôterez ses riches enveloppes pour lui en mettre de plus humbles, et sans dire que c'est moi qui vous l'ai remis. Vous le porterez chez une sage-femme. Là, on trouve d'ordinaire des ressources contre semblables nécessités. Vous porterez de l'argent pour la satisfaire et vous donnerez à l'enfant les parents qu'il vous plaira, afin de cacher la vérité et de ne pas dire comment il m'est venu. » Thank you.
Don Juan retourna en toute hâte voir si on l'appellerait une seconde fois. Mais un peu avant d'arriver à la maison où on l'avait appelé, il entendit un grand cliquetis d'épée, comme si plusieurs personnes étaient aux prises. Il prêta l'oreille et n'entendit aucune parole. Le combat se livrait à la sourdine. Mais à la lumière des étincelles que jetait le pavé frappé par les épées, il put entrevoir que plusieurs hommes en attaquaient un seul, ce qui fut confirmé lorsqu'il l'entendit crier « Ah, traître, vous êtes plusieurs et je suis seul, mais cependant votre déloyauté ne vous servira de rien. » À cette vue et à ces mots, Don Juan, emporté par son cœur généreux, mit l'épée à la main, embrassa un bouclier qu'il portait, se jeta en deux sauts aux côtés de celui qui se défendait et lui dit en langue italienne, afin de n'être pas reconnu pour espagnol, « Ne craignez rien. Un secours vous arrive qui ne vous manquera qu'avec la vie. Jouez des mains, car les traîtres valent peu de choses, si nombreux qu'ils soient. » « Tu en as menti, » répondit à ce propos un des adversaires. « Il n'y a point de traître ici. Et la volonté de recouvrer l'honneur perdu autorise toute espèce de violence. Il ne dit rien de plus, empêché par la hâte que se donnait à frapper les ennemis, qui devaient être six au compte de Don Juan. Ils serrèrent de si près son compagnon qu'avec deux coups de pointe qu'ils lui portèrent à la fois, ils le jetèrent sur le carreau. Don Juan crut qu'il l'avait tué. Il se précipita bravement au devant de tous et les fit reculer sous une pluie de coups, d'estoc et de tailles. Mais toute sa célérité n'aurait pu suffire pour attaquer et défendre si la fortune ne l'eût heureusement aidé. En faisant mettre aux fenêtres avec des lumières les habitants de la rue qui appelaient à grands cris la justice. Voyant cela, les ennemis quittèrent la rue et s'enfuirent à toutes jambes. Sur ces entrefaites, l'homme abattu s'était relevé, car les épées avaient rencontré une cuirasse dure comme le diamant. Dans la mêlée, le chapeau de Don Juan était tombé, et le cherchant, il en trouva un autre qu'il se mit au hasard sur la tête, sans regarder si c'était ou non le sien. Le cavalier tombé s'approcha de lui. « Seigneur gentilhomme, qui que vous soyez, je confesse que je vous dois la vie, et je l'emploierai en tout ce que je vaux et ce que je puis à votre service. Faites-moi la grâce de me dire qui vous êtes, ainsi que votre nom, afin que je sache à qui je dois me montrer reconnaissant. Je ne veux pas être discourtois, bien que j'ai agi sans intérêt. Pour faire, Seigneur, ce que vous me demandez et pour vous complaire, je vous dirai seulement que je suis gentilhomme espagnol, étudiant dans cette ville. S'il vous importait de savoir mon nom, je vous le dirai. Mais enfin, si vous vouliez par hasard vous servir de moi en quelque chose, sachez que je m'appelle Don Juan de Gamboa. Vous m'avez rendu un service signalé pourtant, Seigneur Don Juan de Gamboa. Je ne veux pas vous dire qui je suis, ni mon nom seulement, car j'aurais un plaisir extrême à ce que vous l'appreniez d'un autre que moi, et j'aurais soin qu'on vous en instruise. Don Juan lui avait demandé d'abord s'il était blessé, car il lui avait vu donner deux grands coups d'épée. « Non, après Dieu, une bonne cuirasse que je portais m'a garantie. Mais néanmoins, mes ennemis m'achevaient si je ne vous eusse trouvé à mes côtés. » En ce moment, ils virent venir à eux une troupe d'hommes, et Don Juan s'écria, « Si ce sont les ennemis qui reviennent, mettez-vous en garde, Seigneur, et faites comme un homme de votre qualité. » « À ce que je crois, reprit l'autre, ce ne sont pas des ennemis, mais des amis qui viennent à nous. » C'était vrai, car ceux qui s'approchaient et qui étaient au nombre de 8 entourèrent l'inconnu et échangèrent avec lui quelques paroles, mais si bas et avec tant de mystère que Don Juan ne put les entendre. Alors l'inconnu se tourna vers Don Juan et lui dit, « Si ces amis ne fussent venus, « je ne vous aurais nullement quitté, Seigneur Don Juan, avant que vous n'eussiez d'achever de me mettre en lieu sûr. Mais à présent, je vous supplie avec instance de vous retirer et de me laisser ici. J'y ai grand intérêt. »
En parlant ainsi, il porta la main à sa tête et vit qu'il était sans chapeau, disant que le sien était tombé. À peine eut-il achevé que Don Juan lui remit celui qu'il avait trouvé dans la rue. L'inconnu le tâta et le rendant aussitôt à Don Juan. « Ce chapeau n'est pas à moi. Par votre vie, emportez-le pour trophée de la bataille. Et gardez-le bien, je crois qu'il est connu. » On lui donna un autre chapeau et Don Juan, pour se rendre à son désir, après avoir échangé quelques compliments fort courts, le laissa sans savoir qui il était et revint à sa maison sans vouloir s'approcher de la porte où on lui avait donné l'enfant nouveau-né parce qu'il lui semblait que tout le quartier s'était ému et éveillé au bruit du combat. Il arriva qu'en retournant à son logis, il rencontra son camarade Don Antonio de Sunza et dès qu'ils se furent reconnus, Don Antonio lui dit « Revenez avec moi, Don Juan, jusqu'au-dessus de la rue et je vous conterai en chemin une étrange aventure qui vient de m'arriver, telle que vous n'en aurez jamais entendu de semblable en toute votre vie. » « Je pourrais vous conter une histoire de la même espèce, » répondit Don Juan. « Mais allons où vous voulez et contez-moi la vôtre. » Don Antonio se mit en marche et dit « Il faut que vous sachiez qu'un peu plus d'une heure après que vous eûtes quitté la maison, je sortis pour vous chercher. Mais je n'avais pas fait 30 pas que je vis venir à moi une masse noire, une personne qui s'avançait en toute hâte. » Et quand elle fut proche, je reconnus que c'était une femme enveloppée d'une longue robe à la religieuse. Elle me dit d'une voix entrecoupée de soupirs et de sanglots. « Êtes-vous, Seigneur, étranger ou de la ville ?»« Étranger et espagnol. »« Grâce au ciel, il ne veut pas que je meure sans sacrement. »« Êtes-vous blessé, madame, ou attaqué de quelque mal mortel ?»« Il pourrait se faire que celui que j'ai le fût en effet, si l'on ne me secourt promptement. » Par la courtoisie dont se piquent les gens de votre nation, je vous supplie, Seigneur espagnol, tirez-moi de ces rues et menez-moi à votre logis avec toute la célérité possible. Là, si vous le désirez, vous saurez le mal dont je souffre et même qui je suis, fût-ce au prix de ma réputation. Quand je l'entendis ainsi parler, reconnaissant qu'elle avait besoin de ce qu'elle demandait, sans répliquer davantage, je lui tendis la main et gagnai notre logis par des rues tortueuses. Santisteban, le page, vient nous ouvrir. Je le fis retirer et sans qu'il la vît, je la conduisis dans ma chambre. À peine entrée, elle se laissa tomber évanouie sur mon lit. Je m'approchai d'elle et lui découvrant le visage qu'elle cachait sous sa mante, je découvris la plus merveilleuse beauté qu'eux humains eussent jamais vue. Elle peut avoir, à ce que je crois, 18 ans, plutôt moins que plus. Je restai d'abord stupéfait à la vue d'une telle beauté. Enfin, je courus chercher un peu d'eau pour lui en jeter sur le visage. Elle revint à elle en poussant un douloureux soupir et la première chose qu'elle me dit fut « Me connaissez-vous, Seigneur ?»« Non, je n'ai pas eu le bonheur d'avoir connu tant de beauté. » Malheureuse à celle qui en a fait le funeste présent. Mais Seigneur, ce n'est pas le temps d'adresser des galanteries. C'est celui de secourir des infortunes. « Par qui vous êtes, je vous supplie de me laisser enfermer ici
et de ne permettre à personne de me voir. Retournez bien vite à l'endroit où vous m'avez rencontré et voyez si quelques personnes se battent. Mais ne favorisez aucun de ceux qui seraient aux prises. Séparez-les, car quelques malheurs qui arrivent de l'un ou de l'autre côté ne feraient qu'accroître le mien. Alors je l'ai laissé sous clé et je viens séparer ces combattants. N'avez-vous plus rien à dire, Don Antonio ? Vous semble-t-il qu'il n'en est pas assez dit, puisque je vous ai dit que je tiens sous clé et dans ma chambre la plus merveilleuse beauté qu'yeux humains eussent vue. L'aventure est étrange en vérité, mais écoutez la mienne. Et sur le champ, il raconta à Don Antonio tout ce qui lui était arrivé. Comment l'enfant nouveau-né qu'on lui avait remis était chez eux, au pouvoir de la gouvernante, et comment il avait donné l'ordre qu'on changeât en plus pauvres les riches d'anges qui l'enveloppaient, et qu'on le portât où l'on pût l'élever, ou du moins remédier à la nécessité présente. Quant au combat que vous venez chercher, il est déjà fini, et la paix est faite. J'ai pris part à la mêlée, et à ce que j'imagine, tous ceux qui s'y trouvaient sont gens de qualité et de grande valeur. Les deux amis furent fort étonnés de leur mutuelle aventure et ils revinrent en toute hâte au logis pour voir ce dont pouvait avoir besoin la dame enfermée. En chemin, Don Antonio dit à Don Juan qu'il avait promis à cette dame de ne la laisser voir de personne et que lui seul entrerait dans sa chambre tant qu'elle ne permettrait pas autre chose. N'importe, je trouverai bien moyen de la voir. Et j'en ai un désir extrême, tant vous m'avez vanté ses attraits. Ils arrivèrent sur cela, et à la clarté d'une lumière qu'apporta l'un des trois pages qu'ils avaient, Don Antonio jeta la vue sur le château, le chapeau que Don Juan portait, et vit qu'il était tout resplendissant de diamants. Don Juan se l'ôta, et reconnut que cet éclat venait de plusieurs brillants, formant la riche bourdalou, la bourdalou étant un ruban qu'on attache autour d'un chapeau. Ils examinèrent tous deux ces brillants avec attention et conclurent que s'ils étaient fins, comme ils le paraissaient, le chapeau valait plus de 12 000 ducats. Ce fut alors qu'ils reconnurent que les combattants étaient gens de haut parage, principalement celui que Don Juan avait secouru, auquel ils se rappelaient avoir entendu dire « Prenez ce chapeau et gardez-le, car il est connu. » Ils firent retirer leur page et Don Antonio, ouvrant sa chambre, trouva la dame assise sur le lit, la joue dans la main, versant d'abondantes larmes. Dans le désir de la voir, Don Juan s'approcha de la porte et passa la tête. Aussitôt, l'éclat des diamants frappa les regards de la dame éplorée, qui s'écria en levant les yeux. « Entrez, Seigneur Duc, entrez! Pourquoi voulez-vous me donner avec tant d'avarice le bonheur de votre vue ?» « Mais madame, il n'y a ici aucun duc qui fasse difficulté de vous voir. »« Comment ? Celui qui se montre là maintenant est le duc de Ferrare. La riche parure de son chapeau ne lui permet pas de dissimuler. »« En vérité, madame, ce n'est pas un duc qui porte le chapeau que vous avez vu. Si vous voulez vous désabuser en voyant qu'il le porte, donnez-lui la permission d'entrer. »« Qu'il entre, j'y consens. Bien que si ce n'est le duc... mon malheur ne fera que s'en accroître. » Don Juan avait entendu tous ces propos et voyant qu'il avait permission d'entrer, il se présenta dans la chambre, le chapeau à la main. Dès qu'il fut devant elle et qu'elle reconnut que ce n'était pas celui qu'elle avait dit, elle s'écria en balbutiant et d'une voix troublée. « Ah, malheureuse que je suis ! Seigneur, parlez vite et sans me tenir davantage en suspens. Connaissez-vous le maître de ce chapeau ? Où l'avez-vous laissé ? Comment est-ce en votre pouvoir ? Est-il vivant par bonheur ? Ou bien sont-ce les nouvelles de sa mort qu'il m'envoie ? Oh mon doux ami, qu'est-il donc arrivé ? Je vois ici tes joyaux, je me vois enfermé sans toi au pouvoir d'inconnus, et si je ne savais pas que ce sont des gentilshommes espagnols, la crainte de perdre l'honneur m'aurait ôté déjà la vie. Calmez-vous, madame. Le maître de ce chapeau n'est point mort. Et vous n'êtes pas en lieu où l'on vous fasse aucun outrage. Nous ne pensons qu'à vous servir, autant que nos forces nous le permettent.
jusqu'à risquer la vie pour vous défendre et vous secourir. Il serait mal à nous de tromper la foi que vous avez dans la loyauté des Espagnols. Et puisque nous le sommes, ainsi que gens de qualité, cette espèce d'arrogance n'est pas déplacée ici, soyez certaine qu'on vous portera le respect que mérite votre personne. Je le crois ainsi. Mais cependant, dites-moi, Seigneur, comment ce riche chapeau est-il tombé en votre pouvoir ? Où se trouve son maître qui n'est rien moins qu'Alphonse d'Este, duc de Ferrare ? Alors Don Juan, pour ne pas la tenir en suspens davantage, lui conta comment il s'était trouvé au milieu d'un combat, comment il avait secouru un gentilhomme qui, d'après ce qu'elle disait, devait être le duc de Ferrare. Dans la mêlée, j'ai perdu mon chapeau et trouvé celui-ci. Et ce gentilhomme m'a dit de le garder parce qu'il était connu. Le combat s'est terminé sans que nous fussions blessés, ni le gentilhomme, ni moi. Puis ensuite, quelques hommes sont arrivés qui doivent être des serviteurs ou des amis de celui que je pense être le duc. Lequel m'a prié de le laisser seul et de m'éloigner en se montrant très reconnaissant du service que je lui avais rendu. Voilà, madame, comment ce riche chapeau est venu en mon pouvoir. Et quant à son maître, si c'est le duc, comme vous le dites, il n'y a pas une heure que je l'ai quitté sain, sauf et bien portant. Que ce récit véritable serve à votre consolation, si vous en trouvez à savoir que le duc est hors de danger. Afin que vous sachiez, ô Seigneur, combien j'ai raison de m'informer de lui, prêtez-moi votre attention et écoutez. Je ne sais si je dois dire ma malheureuse histoire. Tout le temps qu'avait duré cet entretien, la gouvernante l'employa à graisser la bouche de l'enfant avec du miel et lui changer ses langes. Quand elle l'eut arrangé, elle voulut le porter chez une sage-femme suivant l'ordre que lui en avait donné Don Juan. Mais comme elle passait avec l'enfant devant la chambre où se trouvait celle qui allait commencer son histoire, la petite créature se mit à pleurer de façon que la dame l'entendit. Elle se leva tout debout, prêta l'oreille et entendit plus distinctement les pleurs de l'enfant. « Quel est cet enfant, mes seigneurs ? On dirait qu'il est nouveau-né. » « C'est un garçon qu'on a déposé cette nuit à la porte de notre maison. Et la gouvernante va chercher quelqu'un qui lui donne à têter. »« Qu'on me l'apporte ici, pour l'amour de Dieu. » Voilà, madame, le présent qu'on nous a fait cette nuit. Et ce n'est pas le premier, car peu de mois se passent sans que nous rencontrions de semblables trouvailles sur le seuil de nos portes. La dame le prit dans ses bras, regarda attentivement son visage et les langes pauvres mais propres qui l'enveloppaient. Faites, Seigneur, qu'on arrose un peu la bouche de cet enfant avec du miel. Mais ne permettez pas qu'on l'emporte à cette heure-ci par les rues. Laissez venir le jour et qu'on me le rapporte avant de l'emmener. Je trouve à le voir une grande consolation. Don Juan remit l'enfant à la gouvernante. Il lui recommanda d'en avoir soin jusqu'au jour, de lui remettre les riches langes dans lesquelles il l'avait apporté, et de ne point l'emmener sans l'en prévenir. Rentra. Et quand ils furent tous trois seuls, la belle Cornelia leur dit « Asseyez-vous, Seigneur, et écoutez-moi. » Ils obéirent. Alors, s'arrangeant sur le lit,
et se couvrant bien avec les pans de sa robe, elle laissa tomber le long de ses épaules un voile qu'elle portait sur la tête, montrant dans son visage découvert la figure même de la lune, ou pour mieux dire du soleil lui-même, quand il se lève pur et dans tout son éclat. Des perles liquides lui coulaient des yeux, qu'elle essuyait avec un mouchoir d'une extrême blancheur, et des mains telles qu'entre elle et le mouchoir, il eût été difficile d'établir une différence. Finalement, après avoir laissé échapper bien des soupirs, après avoir essayé de calmer un peu sa poitrine oppressée, elle dit d'une voix faible et tremblante. « Je suis, Seigneur, celle que vous aurez sans doute entendue nommer bien des fois dans cette ville. Car telle qu'est ma beauté, il y a peu de langues qui n'en publient la renommée. Je suis, en effet, Cornelia Bentiboli, sœur de Lorenzo Bentiboli. Et peut-être m'aura-t-il suffi de dire cela pour avoir dit deux choses reconnues. Ma noblesse et ma beauté. Toute jeune, je restais orpheline au pouvoir de mon frère, qui dès l'âge le plus tendre mit tous ses soins à ma garde. Bien qu'il eût encore plus de confiance en mes sentiments d'honneur qu'en la sollicitude qu'il mettait à me garder. Finalement, entre les murs et dans la solitude, n'ayant pour compagnie que celle de mes femmes, j'allais grandissant et en même temps que moi grandissait la renommée de ma gentillesse, divulguée dans le public par les serviteurs de la maison et par ceux qui me visitaient dans l'intimité, ainsi que par un portrait que mon frère fit faire à un peintre fameux. Afin, disait-il, que le monde ne fût pas complètement privé de moi si le ciel me rappelait à une meilleure vie. Mais tout cela n'aura servi que faiblement à hâter ma perdition. S'il n'était arrivé que le duc de Ferrare consentit à être le parrain des noces d'une de mes cousines, où mon frère me mena en toute bonne intention et pour faire honneur à ma parente. Là, je vis et fus vue. Là, si je ne m'abuse, je fis rendre des cœurs et conquis des volontés. Là, je reconnus quel plaisir donnaient les louanges, même adressées par des langues menteuses. Là, finalement, je vis le duc et fus vue de lui. Et cette vue mutuelle a été cause que je me vois maintenant comme je me vois. Je ne veux pas vous raconter, Seigneur, car ce serait à n'en jamais finir, les ruses, les artifices, les moyens de toutes sortes par lesquels le duc et moi nous parvînmes, au bout de 2 ans, à satisfaire les désirs que cette noce avait fait naître. Ni réclusion, ni gardien, ni remontrance, ni aucune diligence humaine ne suffirent pour empêcher notre réunion qui eut lieu, enfin sous la parole qu'il me donna d'être mon époux. Car sans cette promesse, il ne lui eût pas été possible de faire capituler la forteresse de mon honnêteté et valeureuse fierté. 1000 fois je lui dis de demander publiquement ma main à mon frère, puisqu'il lui était impossible que celui-ci la refusât. À cela, il me répondit par des prétextes que je trouvais justes et suffisants. Subjuguée et confiante, je le crus avec la foi de l'amour et je livrai ma volonté à la sienne. Enfin, au bout de quelques jours, je me trouvai enceinte et avant que mes vêtements n'eussent publié à mes libertés pour ne pas leur donner un autre nom, je finis d'être malade, mélancolique et j'obtins de mon frère qu'il me conduisît chez cette cousine dont le duc avait été parrain de noces. Là, je fis savoir au duc en quelle situation je me trouvais, le péril dont j'étais menacée et le peu de sécurité qui restait à ma vie. Car j'avais quelques doutes que mon frère soupçonnait ma faute. Il demeura convenu entre nous qu'à l'entrée du dernier mois de ma grossesse, je le ferai avertir et qu'il viendrait me chercher avec d'autres amis pour m'emmener à Ferrare, où il se marierait alors publiquement avec moi. Cette nuit où nous sommes fut celle dont nous convînmes pour son arrivée. Et cette même nuit, tandis que je l'attendais, j'ouïs passer mon frère avec plusieurs autres hommes, armés, sans aucun doute, puisque j'entendis le cliquetis des armes.
La frayeur dont je fus saisie provoqua un accouchement subit et je mis au monde un bel enfant. Celle de mes femmes qui était dans le secret de mon aventure et en avait été l'intermédiaire, s'étant préparée pour l'événement, enveloppa la petite créature dans des langes autres que ceux que portaient celles qu'on a déposées sur le seuil de votre maison. Puis, s'étant avancée à la porte de la rue, elle remit l'enfant, m'a-t-elle dit, à un serviteur du duc. Pour moi, peu de temps après, m'étant arrangée le mieux que je pus dans si pressante nécessité, je quittai la maison, croyant que le duc était dans la rue. Je n'aurais pas dû sortir avant qu'il fût arrivé à la porte, mais la frayeur que m'avait causée l'approche de la troupe armée de mon frère, duquel je croyais sentir l'épée sur ma gorge, ne me laissa pas réfléchir plus sagement. Hors de moi, insensé, je m'enfuis de la maison et il m'arriva ce dont vous fûtes témoin. Maintenant, bien que je me voie sans mon enfant, sans mon époux, et menacé de plus grands malheurs, je rends grâce au ciel de ce qu'il m'a conduite en votre pouvoir. Vous de qui je me promets ce qu'on peut attendre de la courtoisie espagnole, de la vôtre surtout, que vous saurez rehausser par la noblesse qui vous est personnelle. En achevant ces mots, elle se laissa tomber tout le long, de tout le son long sur le lit. Les deux amis accoururent, croyant qu'elle était évanouie, mais ils virent qu'elle pleurait amèrement. Don Juan lui dit, « Croyez-moi, madame, j'imagine que ces événements étranges doivent avoir une heureuse fin. Les cieux ne permettront pas que tant de beauté se perde, que de si chastes intentions soient déçues. Couchez-vous, madame, et prenez soin de votre santé, vous en avez besoin. Notre gouvernante viendra vous servir, et vous pouvez avoir en elle autant de confiance qu'en nous-mêmes. Elle saura aussi bien garder le silence sur vos disgrâces que remédier à vos nécessités. Celle où je me trouve est telle qu'elle me forcerait à des choses plus difficiles. Faites entrer, Seigneur, qui vous voudrez. Envoyée par vous, cette femme ne peut manquer d'être bonne pour ce que j'attends d'elle. Mais toutefois, je vous en supplie que personne ne me voie autre que votre gouvernante. Vous serez obéie. Et les deux amis la laissèrent seule en quittant la chambre. Don Juan dit à la gouvernante d'y entrer et de porter l'enfant avec ses premiers langes, si elle les lui avait remis. La gouvernante répondit que l'enfant était comme il l'avait apporté. Elle entra donc, bien avisée de ce qu'elle devait répondre, à ce que lui demanderait au sujet de cet enfant la dame qu'elle trouverait dans la chambre. En la voyant entrer, Cornelia lui dit « Soyez la bienvenue, mon ami. Donnez-moi cet enfant et approchez cette lumière. » La gouvernante obéit, mais Cornelia n'eut pas plus tôt pris l'enfant dans ses bras qu'elle changea de visage et en le dévorant des yeux. « Dites-moi, dame gouvernante, cet enfant est celui qu'on m'apporta tout à l'heure. Est-ce le même ?»« Oui, madame. Mais pourquoi ces langes sont-ils changés ?»« En vérité, mon ami, ce ne sont pas les mêmes langes ou ce n'est pas le même enfant. Oh, tout cela peut bien être. Comment ? Tout cela peut bien être ? Sainte Vierge, que dites-vous là, gouvernante ? Ah, le cœur me bondit dans la poitrine jusqu'à ce que je sache d'où vient cet échange. Apprenez-moi, mon ami. Par tout ce que vous aimez le mieux, je vous en conjure. Dites-moi d'où vous sont venus ces langes si riches. Il faut que vous sachiez qu'ils sont à moi. Si la vue ne me trompe ou si la mémoire ne m'abuse, c'est dans ces langes ou d'autres tout semblables que j'ai remis à ma camériste le bijou chéri de mon âme. Qui les lui a ôtés ? Malheur à moi, qui les a apportés ici ? Don Juan et Don Antonio, qui entendaient toutes ces plaintes, ne voulurent pas permettre que la pauvre dame les continuât davantage. Et que l'erreur où l'avait jeté le changement des langes l'atteint plus longtemps en peine. Ils entrèrent et Don Juan lui dit « Ces langes et cet enfant vous appartiennent, madame. » Aussitôt, il lui conta de point en point comment il était la personne à qui sa camériste avait remis l'enfant, comment il l'avait apporté à la maison
ainsi que l'ordre qu'il avait donné à sa gouvernante de changer ses langes et à quel propos il avait agi de cette façon. Depuis le moment où vous nous avez conté les circonstances de votre accouchement, j'ai tenu pour certain que cet enfant est votre fils, et si je ne l'ai pas dit sur le champ, c'est que je craignais qu'après le doute où vous étiez de le reconnaître, ne survint trop tôt la joie de l'avoir reconnu. Alors les larmes de joie que versa Cornelia furent infinies, comme les baisers qu'elle donna à son fils, comme les actions de grâce qu'elle rendit à ses protecteurs, les appelant ses anges gardiens sur la terre, et leur donnant d'autres noms où éclatait toute sa reconnaissance. Ils la laissèrent avec la gouvernante en recommandant à celle-ci de veiller sur elle, de la servir avec tout le soin possible, et après lui avoir révélé la situation de l'étrangère, pour qu'elle lui donnât tous les secours utiles, puisque femme, elle en savait plus long qu'eux sur ce point. Le jour vint et la gouvernante amena quelqu'un pour donner secrètement et en cachette à téter à l'enfant. Les jeunes gens s'informèrent des nouvelles de Cornelia. La gouvernante répondit qu'elle reposait un peu. Ils allèrent à l'université et passèrent par la rue du Combat, devant la maison d'où Cornelia était sortie, pour voir si son absence était déjà publique et si l'on caquetait dans le voisinage. Mais ils n'entendirent pas souffler mot, ni de la querelle, ni de la disparition de Cornelia. Après leur cours, ils revinrent au logis. Cornelia les fit appeler par la gouvernante. Ils répondirent qu'ils avaient résolu de ne pas mettre les pieds dans sa chambre pour mieux garder le respect qu'elle devait à elle-même. Mais elle répliqua les larmes aux yeux qu'elle les pria en grâce de la venir voir et que c'était la bienséance la plus convenable, sinon pour remédier à ses maux, du moins pour s'en consoler. Ils obéirent et elle les reçut d'un visage riant avec une extrême politesse. Elle leur demanda de lui faire la grâce de parcourir la ville et de voir s'ils apprendraient quelques nouvelles de son aventure. Ils répondirent qu'ils avaient déjà fait cette démarche avec tout le soin possible et que rien ne se disait encore. En ce moment, un des trois pages qu'ils avaient s'approcha de la porte de la chambre et leur dit du dehors. « Un gentilhomme est à la porte de la rue avec deux valets qui dit s'appeler Lorenzo Bentiboli et demande Monseigneur Don Juan de Gamboa. » À ce message, Cornelia ferma ses deux poings, se les mit sur la bouche et laissant échapper entre ses doigts une voix suffoquée et tremblante. « C'est mon frère, Seigneur, c'est mon frère. Sans doute il doit savoir que je suis ici et vient pour m'ôter la vie. » Au secours, Seigneur, défendez-moi! Calmez-vous, madame, lui dit Don Antonio. Vous êtes en lieu sûr et au pouvoir de gens qui ne vous laisseront pas faire le moindre outrage.
Descendez, Seigneur Don Juan, allez voir ce que veut ce gentilhomme. Je resterai ici pour défendre Cornelia s'il en est besoin. Don Juan, sans changer de visage, descendit aussitôt. Don Antonio fit apporter deux pistolets chargés, puis donna aux pages l'ordre de prendre leurs épées et de se tenir prêts. La gouvernante, en voyant les préparatifs, tremblait de tous ses membres, et Cornelia, qui craignait quelque méchante affaire, n'était pas moins effrayée. Seuls Don Antonio et Don Juan conservaient leur sang-froid et s'occupaient avec calme de ce qu'ils avaient à faire. Don Juan trouva Don Lorenzo à la porte de la rue, et dès que celui-ci l'eut aperçu, il lui dit « Je supplie votre seigneurie, c'est la formule italienne, de vouloir bien entrer avec moi dans cette église qui est en face. J'ai à traiter avec votre seigneurie d'une affaire où il s'agit pour moi de la vie et de l'honneur. » « Très volontiers, allons seigneur où il vous plaira. » Cela dit, et bras dessous, ils allèrent à l'église et s'assirent sur un banc à l'écart de manière à n'être pas entendus. Lorenzo parla le premier. Seigneur espagnol, je suis Lorenzo Bentiboli, sinon des plus riches, au moins des plus nobles gentilshommes de cette ville. La notoriété de ce fait servira d'excuse à la louange que je me donne moi-même. Je restais orphelin il y a quelques années, et en mon pouvoir resta une sœur si belle que si elle ne me touchait pas d'aussi près, les expressions et les hyperboles me manqueraient pour vous en faire l'éloge, car aucune ne saurait répondre dignement à sa beauté. De ce que l'honneur m'est cher, de ce qu'elle est jeune et belle, je mettais tous mes soins, toute ma sollicitude à la garder. Mais l'humeur légère et hardie de ma sœur Cornelia, c'est ainsi qu'elle s'appelle, a trompé mes précautions et mes mesures. Finalement, je me borne à dire que le duc de Ferrare, Alphonse d'Este, vainquit avec des yeux de lynx ceux d'Argus, et qu'il triompha de mon adresse en triomphant de la vertu de ma sœur. Hier soir, il me l'enleva en l'emmenant de la maison d'une de nos parentes. On dit même qu'elle était récemment accouchée. Je le suis hier soir et je sortis sur le champ à la poursuite. Je crois même que je le rencontrai et l'attaquai l'épée à la main. Mais il fut secouru par quelque ange qui ne permit pas que je lavasse dans son sang la tache de mon outrage. Ma parente m'a dit, et c'est d'elle que je sais tout, que le duc a séduit ma sœur en lui donnant parole de la prendre pour épouse. Je ne crois point cela, parce que le mariage serait trop inégal quant au bien de la fortune. Quant à ceux de la nature, le monde connaît la qualité des Bentiboli de Bologne. Ce que je crois, c'est que le duc s'y est pris, comme s'y prennent tous les puissants qui veulent triompher d'une jeune fille timide et vertueuse. Il aura fait briller à ses yeux le doux nom d'époux, en lui faisant accroire que certaines considérations l'empêchaient de se marier sur le champ. Mensonge facile à prendre pour la vérité, mais trompeur et coupable. Quoi qu'il en soit, je me vois sans sœur et sans honneur, bien que j'ai tenu jusqu'à présent toute cette aventure sous la clé du silence, et que je n'ai voulu confier à personne l'outrage que j'ai reçu, avant de voir si je puis le réparer en quelque façon. Finalement, j'ai résolu d'aller à Ferrare pour demander au duc lui-même satisfaction de mon offense, et s'il me la refuse, pour lui porter un défi. Ce ne sera point avec des escadrons armés, puisque je ne puis ni les réunir ni les solder, mais ce sera d'homme à homme. Pour cela, je voudrais votre assistance. Je voudrais que vous m'accompagnassiez dans ce voyage. Et j'ai la confiance que vous ne me refuserez pas, étant espagnol et gentilhomme, comme je m'en suis informé. Il faut, Seigneur, que vous me fassiez la grâce de venir avec moi. Assez, Seigneur Lorenzo, n'allez pas plus loin. Désormais, je me constitue votre défenseur et votre conseiller, et je prends à ma charge la satisfaction et la vengeance de votre affront. Ce n'est pas seulement parce que je suis espagnol, mais parce que je suis gentilhomme, et que vous l'êtes aussi noble comme vous l'avez dit, comme je le sais et comme le sait tout le monde.
Voyez, quand voulez-vous que nous partions? Le mieux est que ce soit sans retard, car il faut battre le fer tant qu'il est chaud. D'ailleurs, le feu de la colère allume le courage et l'injure éveille la vengeance. À ces mots, Lorenzo se leva et serra étroitement Don Juan dans ses bras. Pour un cœur aussi généreux que le vôtre, Seigneur Don Juan, il n'est pas nécessaire de l'exciter en faisant valoir d'autres intérêts que celui de l'honneur à gagner en pareil cas. Cet honneur, je vous l'assure dès maintenant. Si nous sortons heureusement de cette affaire, et je vous l'offre de plus, tout ce que j'ai, tout ce que je puis, tout ce que je vaux, notre départ aura lieu demain. Aujourd'hui, je préparerai tout ce qui est nécessaire. Eurent-ils quitté Bologne, que Cornelia raconta à la gouvernante toutes ses aventures. Elle lui avoua que cet enfant était à elle et au duc de Ferrare, et lui confia tous les détails de cette histoire qu'on a jusqu'à présent rapportée. Elle ne lui cacha pas davantage que le voyage de ses maîtres était à Ferrare, en compagnie de son frère, qui allait porter un défi au duc Alphonse. Quand la gouvernante eut entendu tout cela, comme si le démon lui en eût donné l'ordre pour embrouiller les choses et reculer la délivrance de Cornelia, elle lui dit. « Comment ? Dame de mon âme, toutes ces choses vous sont arrivées, et vous êtes là, sans souci, couchée sur le dos, où vous n'avez point d'âme, où vous l'avez comme un chiffon. Comment pensez-vous, par hasard, que votre frère va à Ferrare ? N'en croyez rien, mais croyez et soyez sûr qu'il a voulu emmener mes maîtres d'ici, et les éloigner de la maison pour y revenir ensuite, vous ôter la vie. Il le peut, à foi, comme boire un verre d'eau. Voyez un peu sous quelle garde nous restons et qui nous avons pour nous défendre. Trois pages qui ont plus à faire de se gratter la gale dont ils sont pleins que de se mêler de choses qui ne le regardent pas. Pour moi du moins, je puis dire que je n'aurai pas le courage d'attendre le ravage qui menace cette maison. Cornelia était resté frappé de stupeur et d'effroi en écoutant les propos de la gouvernante qui parlait avec tant de feu et montrait une telle frayeur que la pauvre dame crut tout ce qu'elle disait était la vérité pure. Elle s'imagina que Don Juan et Don Antonio étaient morts, peut-être que son frère passait déjà la porte et qu'il la perçait à coups de poignard. Elle répondit donc. « Et quel conseil me donneriez-vous, mon ami, qui fut salutaire ?» qui prévint cette prochaine catastrophe. Je vous le donnerai si bel et si bon qu'on ne saura le rendre meilleur. Moi, madame,
J'ai servi anciennement le curé d'un village qui est à 2000 de Ferrare. C'est une bonne et sainte personne qui fera pour moi tout ce que je lui demanderai. Car il m'a plus d'obligation de lui avoir servi. Car il m'a plus d'obligation que celle de l'avoir servi. Allons-nous-en là. Je cherchais quelqu'un pour nous y conduire. Et quant à celle qui vient en faire têter l'enfant, bon, c'est une pauvre dame qui nous suivra au bout du monde. Enfin, dame, en supposant que vous deviez être retrouvée, il vaut mieux qu'on vous rencontre chez un bon curé de village, vieux et honnête, qu'au pouvoir de deux jeunes étudiants espagnols, lesquels, comme j'en suis chaque jour témoin, ne laissent point échapper l'occasion. Maintenant que vous êtes malade, ils vous portent respect. Mais si vous reprenez la santé, étant dans leurs bras, Dieu fera bien de vous être en aide. Car en vérité, si ma froideur et mes rebuffades ne m'eussent pas bien gardée, ils auraient déjà mis mon honneur à l'envers. Toutefois, je n'ai pas à me plaindre de mes maîtres, car ce sont deux petits anges lorsqu'ils ne sont pas en colère. Enfin, elle lui en dit tant et de tant de façons que la pauvre Cornelia se disposa à suivre son avis. En moins de 4 heures, l'une se laissant faire et l'autre disposant tout, elles se virent toutes deux dans un carrosse avec la nourrice de l'enfant, puis, sans s'être aperçues des pages, elles se mirent en chemin pour le village du curé. Sachons ce qui arriva au seigneur Lorenzo Bentiboli et à Don Juan de Gamboa. On dit qu'ils apprirent en chemin que le duc n'était point à Ferrare, mais à Bologne, ainsi donc cessant de faire des détours et des circuits, ils gagnèrent la grande route, considérant que c'était par là que reviendrait le duc au retour de Bologne. Ce dernier continua son voyage, et la bonne fortune qui disposait tout maintenant pour son bonheur le fit arriver au village du curé, chez lequel étaient déjà réfugiés Cornelia, l'enfant, la nourrice et la gouvernante. Ces femmes lui avaient raconté leur histoire et demandé conseil sur ce qu'il y avait à faire. Le curé était fort ami du duc, tellement que dans sa maison, arrangée à la manière d'un prêtre riche et amateur de beaux-arts, le duc venait souvent de Ferrare pour se livrer à la chasse. Il aimait beaucoup la société de ce prêtre, tant à cause de son goût pour les choses curieuses que de son esprit et de l'agrément qu'il savait mettre à tout ce qu'il faisait. Le curé ne fut donc point surpris de voir le duc venir à son presbytère, puisqu'ainsi qu'on l'a dit, ce n'était pas la première fois. Mais ce qui le fâcha, ce fut de lui voir un visage triste. Et il reconnut sur le champ que son cœur était agité de quelque passion.
Pour Cornelia, ayant entrouï que le duc de Ferrare était là, elle fut saisie d'un trouble extrême, car elle ne savait point quelle intention l'amenait. Elle se tordait les mains et courait de côté à d'autre comme une personne qui a perdu l'esprit. Cornelia aurait voulu parler au curé, mais il entretenait le duc et l'on ne pouvait l'aborder. Le duc lui dit « Je viens plein de tristesse, mon père, et ne veux point aujourd'hui rentrer à Ferrare. Je serai votre hôte. Dites à ceux qui m'accompagnent de se rendre à Ferrare et que Fabio reste seul avec moi. » Le bon prêtre obéit aussitôt, puis alla donner ses instructions pour qu'on reçût le duc convenablement. Ce fut pour Cornelia une occasion de lui parler. Elle le prit par les mains et lui dit « Ah, mon père et seigneur, qu'est-ce que veut le duc par amour de Dieu? Touchez un mot de mon affaire et tâchez de découvrir ses intentions. Enfin, menez la chose du mieux qu'il vous semblera et suivant les inspirations de votre grande habileté. » « Le duc est triste, répondit le curé, et jusqu'à présent, il ne m'a pas dit la cause de sa tristesse. Ce qu'il faut faire, c'est habiller et parer cet enfant. Mettez-lui, madame, tous les joyaux que vous aurez, principalement ceux que vous a donnés le duc. Puis laissez-moi faire. J'espère qu'aujourd'hui, le ciel nous donnera un heureux jour. » Cornelia l'embrassa, lui baisa la main et s'en alla parer l'enfant. Le curé revint entretenir le duc en attendant l'heure du dîner. Et dans le cours de la conversation, il lui demanda s'il serait possible de savoir la cause de sa mélancolie, car on reconnaissait du lieu qu'il était profondément affligé. Il est vrai, père, que la tristesse du cœur monte au visage et qu'on lit dans les yeux ce que souffre l'âme. Le pire est que je ne puis à présent confier à personne le sujet de ma tristesse. « Eh bien, en vérité, Seigneur, si vous étiez en état de voir des choses précieuses et récréatives, je vous en montrerai une qui, j'en suis sûr, vous ferait grand plaisir. Celui-là serait bien simple, qui, lorsqu'on lui offre un soulagement assez beau, refuserait de l'accepter. Par ma vie, Père, montrez-moi ce que vous dites. Ce doit être quelques-unes de vos curiosités qui sont toutes pour moi de grand agrément. » Le curé se leva et alla trouver Cornelia qui venait de parer son fils en lui mettant ses plus riches bijoux. Ayant pris l'enfant entre ses bras, le curé revint où le duc l'attendait, et lui disant de se lever pour s'approcher du jour que donnait une fenêtre, il lui mit l'enfant dans les bras. Quand le duc eut aperçu et reconnu les bijoux, quand il eut vu que c'était cela même qu'il avait donné à Cornelia, il resta hors de lui. Puis, regardant l'enfant de tous ses yeux, il lui sembla qu'il regardait son propre portrait. Dans sa surprise extrême, il demanda au curé quel était ce jeune enfant qui semblait, à sa parure, être le fils de quelque prince. « Je ne sais. Tout ce que je puis dire, c'est qu'il y a je ne sais combien de jours qu'un gentilhomme de Bologne me l'apporta ici, en me chargeant d'en avoir soin et de l'élever. Il est, me dit-il, fils d'un père de haut rang et d'une mère aussi noble que belle. Le gentilhomme amena aussi une femme pour donner le sein à l'enfant. Quand je lui ai demandé si elle savait quelque chose touchant les parents du nourrisson, elle a répondu qu'elle n'avait rien ouï dire. Mais en vérité, si la mère est aussi belle que la nourrice, ce doit être la plus admirable beauté de l'Italie. « Ne pourrons-nous la voir ?» demanda le duc. « Si, vraiment, répondit le curé, venez avec moi, Seigneur. Et si la parure et la beauté de cet enfant vous étonnent, comme je m'en aperçois, je suppose que la vue de sa nourrice vous causera le même effet. » Le curé voulut reprendre l'enfant au duc, mais celui-ci ne voulut pas s'en dessaisir. Au contraire, il le serra dans ses bras et lui donna 1000 baisers. Le curé prit les devants et dit à Cornelia de venir, sans aucun trouble, recevoir le duc. Elle obéit. Mais l'émotion lui fit monter au visage de si fraîches couleurs qu'elles lui donnèrent une beauté plus qu'humaine. Le duc, en la voyant, resta comme frappé de la foudre, tandis que, se jetant à ses genoux, elle voulait lui baiser les pieds. Sans dire un seul mot, le duc tendit l'enfant au curé,
et tournant les talons, il sortit de la chambre en grande hâte. À cette vue, Cornelia s'adressa au curé. « Hélas, mon bon seigneur, est-ce que le duc s'est effrayé de me voir? Est-ce qu'il me hait à présent? Est-ce que je lui semble laide? A-t-il donc oublié les obligations qu'il a prises envers moi? Ne me dira-t-il pas seulement un mot? Son fils le fatiguait-il tellement qu'il dut ainsi le rejeter de ses bras? » À tout cela, le bon curé ne répondait un mot, tout surpris de la fuite du duc, car sa sortie paraissait plutôt une fuite qu'autre chose. Cependant, le duc n'avait fait que sortir pour appeler Fabio. « Cours, ami Fabio, lui dit-il, retourne à Bologne en toute diligence et dis à Lorenzo Bentiboli qu'à l'instant même et sans nulle excuse, il se rende à ce village avec les deux gentilshommes espagnols, Don Juan de Gamboa et Don Antonio de Isunza. Reviens, ami, sur le champ, mais ne reviens pas sans eux, car à les voir, il y va de ma vie. » Sans plus tarder, Fabio exécuta l'ordre de son seigneur. Le duc aussitôt retourna dans la chambre où Cornelia venait de verser de ses beaux yeux d'abondantes larmes. Il la prit dans ses bras et mêlant des pleurs à ses pleurs, il aspira mille fois la douce haleine de sa bouche. La joie leur paralysait la langue et c'est dans un chaste et amoureux silence que les deux tendres amants, que les deux vrais époux, jouissaient de leur mutuel bonheur. La nourrice de l'enfant et la Clibella, comme s'était appelée la gouvernante, qui avait entrevu par la porte de la chambre tout ce qui se passait entre le duc et Cornelia, se frappait de joie la tête contre les murs, au point qu'elle paraissait avoir perdu la raison. Le curé couvrait de baisers l'enfant qu'il tenait dans ses bras, et de la main droite qu'il avait dégagée, il ne cessait de jeter des bénédictions sur les deux époux embrassés. La gouvernante du curé, qui ne s'était pas trouvée présente à l'événement parce qu'elle était occupée à préparer le repas, entra dès que le dîner fut prêt pour prier les convives de se mettre à table. Son arrivée mit fin aux étroits embrassements. Le duc débarrassa le curé de l'enfant, le prit dans ses bras et l'y tint tout le temps que dura le repas, moins somptueux que propre et bien accommodé. Pendant qu'on mangeait, Cornelia raconta tout ce qui lui était arrivé jusqu'à ce qu'elle se fût réfugiée dans cette maison, sur le conseil de la gouvernante de ces deux gentilshommes espagnols qui l'avaient servi, gardé et défendu avec tous les soins et le respect imaginables. Le duc lui raconta de son côté tout ce qu'il avait fait jusqu'à ce moment. Les deux gouvernantes se trouvèrent présentes à l'entretien et reçurent du duc les plus favorables promesses. Enfin, la joie fut générale à cet heureux dénouement et n'en attendait plus pour combler tous les désirs que l'arrivée de Lorenzo avec Don Antonio et Don Juan. Ceux-ci vinrent au bout de 3 jours, empressés de savoir si le duc avait appris quelques nouvelles de Cornelia, car Fabio, qui avait été les chercher, ne put pas leur dire, n'en sachant rien, qu'elle était retrouvée. Le duc alla les recevoir dans une salle qui précédait celle où était Cornelia. Et cela, sans aucun signe de joie, ce qui attrista les nouveaux venus. Le duc les fit asseoir, s'assit lui-même au milieu d'eux, et adressant la parole à Lorenzo, il lui parla de la sorte. « Vous savez bien, Seigneur Lorenzo, que je n'ai jamais abusé votre sœur. Le ciel et ma conscience m'en sont témoins. » Vous savez aussi avec quel empressement je l'ai cherchée et le désir que j'avais de la retrouver pour lui donner ma main, comme je lui en avais fait la promesse. Elle ne paraît plus, et ma parole ne peut être éternellement engagée. Je suis jeune, pas encore revenu des choses de ce monde pour que je me prive des plaisirs qui me sont offerts à chaque pas. La même passion qui me fit promettre à Cornelia d'être son époux me fit aussi donner, avant cela, parole de mariage, à une paysanne de ce village-ci. Je pensais la séduire, l'abandonner, puis me rendre au charme de Cornelia, bien que ce ne fût pas me rendre au cri de la conscience, et certes, ce n'était pas un faible témoignage d'amour. Mais enfin,
puisque personne ne peut se marier avec une femme qui a disparu, et puisqu'il n'est raisonnable à personne de chercher la femme qui le fuit, crainte de trouver la haine pour l'amour. Voyez, Seigneur Lorenzo, quelle satisfaction je puis vous donner pour l'affront que je ne vous ai pas fait, puisque jamais je n'ai eu l'intention de le faire. Ensuite, je veux que vous me donniez pleine autorisation de tenir ma première parole et d'épouser la paysanne qui est déjà dans cette maison. » Tandis que le duc parlait ainsi, Lorenzo changeait à chaque instant de visage, et il ne pouvait se tenir assis sur son siège, preuve évidente que la colère s'emparait de tous ses sens. La même chose arrivait à Don Juan et à Don Antonio, qui résolurent aussitôt de ne pas laisser le duc exécuter son projet. Dussent-ils lui ôter la vie ? Lisant donc leurs sentiments sur leur visage, le duc ajouta : Calmez-vous, Seigneur Lorenzo, avant que vous me répondiez à une seule parole. Je veux que les attraits dont vous allez voir qu'est pourvue celle que je veux prendre pour épouse vous obligent à me donner la permission que je vous demande. Sa beauté est telle qu'elle peut excuser de plus grandes erreurs. » Cela dit, il se leva et entra dans la chambre où se tenait Cornelia, richement parée de tous les bijoux qu'avait l'enfant et d'autres encore. Quand le duc tourna le dos, Don Juan se leva et, posant les deux mains sur les deux bras du fauteuil où Lorenzo était assis, il lui dit à l'oreille : Pour Saint Jacques de Galice, Seigneur Lorenzo, par ma foi de chrétien et de gentilhomme, je laisserai le duc se passer sa fantaisie comme je me ferai turc. Ici et sous mes mains, il perdra la vie, ou il tiendra la parole qu'il a donnée à votre sœur Cornelia. Du moins, il nous donnera le temps de la chercher, et jusqu'à ce qu'on sache positivement qu'elle est morte, il ne se mariera point. Je suis du même avis, répondit Lorenzo. Eh bien, ce sera encore celui de mon camarade Don Antonio, répliqua Don Juan. En ce moment, Cornelia parut à la porte de la salle, entre le duc et le curé, qui la tenaient chacun par la main. Derrière eux venait Sulpicia, la camériste de Cornelia, que le duc avait envoyé chercher à Ferrare, la nourrice de l'enfant et la gouvernante des étudiants espagnols. Quand Lorenzo vit sa sœur, et quand il eut achevé de bien envisager et de la reconnaître, car d'abord l'impossibilité qu'il trouvait à un tel événement ne le laissait pas apercevoir la vérité, il alla s'embarrassant dans ses propres jambes, tomber aux pieds du duc qui le releva et le mit dans les bras de sa sœur. Cornelia le serra sur son cœur avec toutes les démonstrations possibles de joie et de tendresse. Don Juan et Don Antonio dirent au duc que ça avait été la plus discrète et la plus exquise plaisanterie du monde. Le duc prit l'enfant que portait Sulpicia et le donnant à Lorenzo. « Recevez, Seigneur mon frère, votre neveu, mon fils, et voyez, s'il vous plaît, de me donner permission pour que j'épouse cette paysanne, la première à qui j'ai donné promesse de mariage. » Ce serait à n'en jamais finir s'il fallait raconter ce que répondit Lorenzo, ce que demanda Don Juan, ce qu'éprouva Don Antonio, l'allégresse du curé, la joie de Sulpicia, le contentement de la gouvernante, les réjouissances de la nourrice, l'étonnement de Fabio et finalement la commune satisfaction de tout le monde. Thank you.
Bientôt, le curé maria les deux amants qui priaient pour parrain de noces au don Juan de Gamboa. Ils convinrent entre eux que ce mariage resterait secret jusqu'à ce qu'on sût comment finirait la maladie qui menait au tombeau la duchesse douairière. Et qu'en attendant, Cornelia retournerait avec son frère à Bologne. Tout se fit ainsi. La duchesse mourut. Cornelia entra à Ferrare, réjouissant le monde par sa vue. Les habits de deuil se changèrent en habits de fête. Les gouvernantes furent enrichies. Sulpicia épousa Fabio. Pour Don Antonio et Don Juan, ils étaient charmés d'avoir rendu service au duc, qui leur adressa plusieurs présents à Bologne, si riches quelques-uns, et envoyés si bien à propos, principalement ceux qu'il leur envoya au moment de leur départ, et ceux qu'il leur donna quand ils vinrent à Ferrare prendre congé de lui. Ils trouvèrent Cornelia, mère de deux petites filles, et le duc plus amoureux que jamais. Ils revinrent tous deux en Espagne, où ils épousèrent de riches, nobles et belles dames, et ils continuèrent toujours à entretenir correspondance avec le duc et la duchesse, ainsi qu'avec le seigneur Lorenzo Bentiboli, au grand plaisir des uns et des autres. Les musiciens. Ah, quand même, bravo.